dans notre émission, le sujet d'aujourd'hui est consacré au réchauffement climatique et à la protection de notre planète. Nous essaierons de vous présenter un aperçu général du problème, ainsi que des propositions très concrètes pour y remédier. Oui, je suis avec le professeur Stanley. Quelles sont les causes du réchauffement climatique ? La cause principale est un gaz appelé CO2. Il provient de nos centrales électriques, du chauffage, de nos véhicules et de l'agriculture. Mais les plantes n'absorbent-elles pas le CO2 ? Oui, mais nous en produisons trop et la nature n'arrive pas à digérer tout ce CO2. Le saviez-vous qu'un arbre de taille moyenne absorbe environ 6 kg de CO2 par an ? Alors, si votre jardin est assez grand, vous pourriez peut-être commencer à en planter. Nous rejoignons maintenant Agathe, qui se trouve avec un professeur de l'université d'Oxford. Professeur Jones, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? Les conséquences les plus visibles sont des augmentations de phénomènes tels que les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les canicules. Et puisque les températures augmentent, la fonte des glaces s'accélère. Le saviez-vous que plus de 20% de gaz à effet de serre issus de l'agriculture sont constitués de méthane ? Ce gaz est libéré par les vaches, les moutons, les girafes et même les chameaux qui font des pets d'héros. Ne riez pas, c'est la vérité vraie. Enfin, un directeur d'école a accepté de répondre à nos questions. Que faites-vous pour améliorer la situation dans votre école ? Nous informons surtout les élèves sur l'importance de trier les déchets. Nous avons aussi remplacé tous les châssis des bâtiments pour économiser un maximum de chauffage. Et que pourrons-nous faire à notre niveau pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution ? Nous pourrons par exemple faire sécher le linge dehors dès que possible. Éteindre les lumières dont on n'a pas besoin. Ne pas laisser brancher les chargeurs quand on ne les utilise pas. Consommer le moins de papier possible. Merci à tous pour votre participation. Et vous, chers téléspectateurs, comme le diraient les enfoirés, on compte sur vous ! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.